n'ignorons pas ce qui est en train de se passer. C'est la fin des temps. Et notre Seigneur revient bientôt. Chrétien, as-tu fait la volonté de Dieu? Es-tu préparé à sa rencontre? Es-tu occupé à le servir? Est-il devenu le Seigneur de ta vie? Mais où sont passés les disciples? Ceux-là qui accomplissent les œuvres du Maître? Ceux-là qui se lèvent pour briller? Où sont les lumières du monde? Ce monde a besoin de toi, il a besoin de ta lumière. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais sur le chandelier. Que votre lumière luise aussi devant les hommes. Alors lève-toi et brille. Pendant que tu te laisses aller aux distractions et aux divertissements, il y a des âmes qui sont en prison. Il y a des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Ils ont besoin de ta lumière. Ils ont besoin de voir Christ au travers de toi. Caractère, action, vie. Il y a des malades qui attendent ton imposition des mains. Il y a des gens qui attendent de voir ton amour pour changer. Il y a des gens qui attendent ces projets que Dieu t'a confiés. N'attends plus. Commence à briller dès maintenant. Tu as une vie extraordinaire à mener. Tu dois te lever. Les promesses de Dieu doivent s'accomplir dans ta vie. Lève-toi et brille. Ton existence est une bénédiction. Tu es appelé à avoir une vie qui reflète la gloire de Dieu. N'abandonne pas malgré les situations. Attache-toi à la parole de Dieu. Elle est désormais ta réalité. Rejette définitivement le vieil homme et ses plaisirs éphémères. Accepte les changements que Dieu produit dans ta vie. Laisse la vie de Dieu se refléter au travers de toi.